aller la camoufouté. Il est en train de déstabiliser les provinces. Bagamoki sasa l'état pour la kawa. Bango ba yebi na monte. Non, ça va reprendre qui sasa contre le 15 mai faudrait. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. Si pour la première fois que vous êtes à la vidéo, abonnez-vous. Le plaisir est partagé, suivez MKB's officiel pour être au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci, Nabaïnyonso, Bazaliko, Hollanda Bisso, comme vous le savez, savoir par cœur n'est pas savoir, mais il faut savoir. Restez branchés, connectés, abonnez-vous et partagez nos vidéos pour plus de détails. MKB's officiel, c'est votre chaîne. Merci derrière la caméra aujourd'hui. Nous technicien, Dondia Melakabulo, Kolelo a médité. Tous allés un peu atmosphère et à Kimia. Tous en a Voldi. Voldi a aussi une campagne électorale na Congo central. Donc, avant de soutenir candidat Moko, candidat Wana Azuite. Donc, Azongi. Mais candidat Naya Zalaki Kimia, à la Kakiba, tout est bas. Alors, voilà, l'actualité est dominée dans le cannabis, vous le savez très bien. Tout ça, c'est le lobby Dieudonné Kalouba Dibwe, l'homme du détournement intellectuel, à quoi il y a un niveau de la Cour constitutionnelle. Cabinet n'a pas lobby, ezali inadmissible, ezali en torse. Bah, irrégularité, les qui est belé, ce qui touche même le fondement, il y a état de droit. Bah, politique est belé, bah, réagit ça qui, à ce qui concerne, bah, propos wana. Alors, lobby na salaki, bolanda qui, mais aujourd'hui, je vais évoluer, pour na koye bisabino. La fois passée, na salaki émission, il y a un mois, bande konanga koye bisabino, que, mouzitu, na fayou, bah, kochemina ensemble, te, baoyo ba zalaka na argumenté baoyo ba anticipa kate ba réfléchir sa kate bo baza borné baza ka na sel argument les injures ils ont voulu m'attaquer makambo sol ba nos yeux ango wapi a otozolo ba moto epeli mbo asu mbo bolanda ke ko maniko a traité qui vraiment mozito aujourd'hui Bolo Dua Alain, Yepa Zongeli Niko, Bokolanda Video, Mboko Yo Congo, Ekolo de Toute la Katolo, Ezali Penza, Abasi. Merci. Plaisir, Ezali Ebele. Je pense que Bozana Katia ko partager déjà émission. Si ça pour la première fois que vous êtes à la Bisso, Nako Senga Yo, ou partager, ou like, na batou moussous, ou yebi sabango, ba s'abonner, parce que c'est en cela. Que tous les causes là, binonyonso, bomeka kosala quelque chose. Alors, bande konangai, tobanda, na likambo ya liboso. Lobby Kalube Dibwe, akwei na tirage au sort, conformément à l'article 158 ya constitution ya mbo kanabiso, comme na yebisaki bino lobby cour constitutionnel. Ils ont composé 9 juges. 9 juges. Alors, les 9 là, Baouta Kaboy. 3, Baoutina présidence de la République. 3, Baoutina institution parlement, donc Sénat, Assemblée nationale. 3, Baouta Kana Conseil supérieur et magistrature. Vous comprenez? Mandat na Bangoise, il y a 9 ans. On doit aussi besoin expliquer en gros même avant au bande comme ça là qu'on raconte mais ce sont les gens qui ont tant besoin de mots qu'on a bu sont autant qui ont maîtrisé expliquer bah mandat na bango de la canève alors mais à la ca 3 ans bah renouveler misato bakoi misato bakoti
Et les trois wana bakoyaka, bakoyaka na tirage au sort. So ba tu pour tirage kangi au lali au koyi. Alors, boye dit que na kabila isengela ki salema, juge moko akufi na système ya fourmi. Ba tu ba comprendre te. Après Moussousou, et il y a sa complication, oh, il y a démissionné, et puis c'est un peu cocoso, tu l'as ba démissionné, tu sais qu'il y a économé, bah, oh, bah, yé. Alors, maintenant, et comme il y a un gonga été, et kokaba Moussou balobi, 3 ans yango, et sengela ki eko kana 2023. Nde normalement et singela qui basse la tirage au sort. S'il s'agissait vraiment, il y a qu'on respectait le principe, le mécanisme prévu par la Constitution, tel que l'on pense, et singela qui basse là en 2023. Bamso le dit, terre et zangonga yangoyo. Alors, et namoni même lobby de l'Isse Sanga. Il y a comme frustré de lui, comme il y a kanda moko. Eh, ne batou bako magaba opposant. Hein? Ou taga gazo et le côté, il est devenu opposant na nyonso. A lobi même, azana soni, il y a comme on a ke, kouwana ezali image même, il y a stabilité, il y a mbo kanabiso. Oyo makambole keza soni. Peu à lobi, régime totalitaire ya boye et sengeli ko bundisa yango. Donc vous comprenez que yepe deli se sanga ba frustration et leki et a se déversé. Je vis même na ibisaki bino lobby ba tu akatumbi ba réagir. Secrétaire celui qui s'occupe na communication ya parti na bango Laura Onyemba. Alobaki, lo lenge makambo koleka eza irregulier. Na même na bakabiliste. Baye balobaki ke kaluba, bachaki na cour constitutionnelle. Poetale ki se tiseke di, bango pe batomboki. Alobi, oh non, oh eleki, eleki na lo lenge moko ya mabe. Me baye baso, baye ba fetaki. Et ça, c'est la caméra. Pour na moni lobby, na ba réseaux sociaux, nyonso, be na bango, bango na bango. Alors, tout le monde, bah, c'est pas la qui, bah, monsieur Balobi, au costume, bah, ma, ni y a innocente, y a moi na moi kingi, vital caméra, waka nyinga nyinga. Lo akaningi di donc mona ko bente libako hein oh non nde azali oko touche makila na yete ozala balaise. Alors allez-y comprendre à quel niveau bato bazali vraiment inconscient pour na bango c'est l'innocence ya Vital Kamerhe. Moto esali ke ndeko na biso kaluba akweya. Alors beaucoup de versions d'ailleurs na moni ba zotia ba vidéo moko avant na touché likambo ya matata oyo bato bazali koloba ebele nyonso saka ba spéculation moto vraiment o ya zalina exactitude hein ya likambo na o ya monaki yango po il pare na dossier ya matata mbongo ebimi na kosolo na bino po boyoka nini vraiment ndenge ba kolobela mais biso pe un certain niveau nous nous posons la question si est seulement si mboka na biso tokotika la kakaka na politique ya boy politique axée sur le développement sur l'emploi des jeunes sur l'agriculture sur l'autoprise en charge de la jeunesse comment occuper ba jeune fille nyon soit na réalité les débats tournent toujours na ba problème lié na politique et chacun dans son côté à cause ou à côté
ils ont se pédissé pour défendre un cas. Bato bazo défendre Congo, batikali mouke. Donc, ils allaient vraiment ko kamusa biso et nous allons vraiment ko tala likambo wana ndenge ezali. Alors, bande konangai na kolinga d'abord comme bazo le langambo ya procès. Ezana vidéo moko bazo tchela biso mikoloyo pona ko réfléchir bino mémoire na o ezala ki na procès avant que na simba likambo ya matata ndenge balobi keno ezape pona matata nde likambo wana esalamaki ba pesi même na montant mais au moins bato ya caméra et ba fêter. Je vais vous laisser suivre même vidéo oyo batie pona bango ce qui est arrivé à Kalouba caméra za innocent même na mutokoma babimisa phrase wana innocent ba mo wana ezo kama yango moko ne bi jamais bo attribuer ngwa kota caméra te. Et comme tout ça, la République basée na manipulation, la République y a intox, la République y a diabolisation. Tale sika tokomi lelo, mais biso ezali kosala biso motema passe. Ya komona ki bato balingi mboka na bango te, bato baza pre ya koteka mboka na bango pour être ba lokoso moko d'une manière personnelle. Donc pour na bango Kamere, ma lolaza innocent, ma kilena yo monte gangi. Je vis ma partager même cette vidéo. Botala un peu pour revivre l'image. Dieu donné Kalouba, Vital Kamere, Wakaningi di Kingi, Ndenge et le Kakina procès. Lorsque Dieu donné Kalouba parlait du détournement intellectuel, ce scientifique rodé, professeur des universités, il faut retenir dans l'histoire, c'est le président de la Cour constitutionnelle Oya Salita Mouke. Hein? Devant que Kourouane, il y a Salita Mouke, il y a Mouke. Suivons cette vidéo. On va revenir juste après pour continuer. Merci. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, t'as la mouibiwana, mouiva ou quoi, mouibina, kanga, mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République? Des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille. Vous parlez d'une maison que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, Bol, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver, et il est secret. Donc, il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, quand même. D'abord, je vous mets au défi, parce que j'ai amené tous les relevés ici, des comptes communs que nous avons avec ma femme. C'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement des crédits que Afriland Bank nous avait donné, et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ces crédits. J'ai dit, monsieur le président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Moi, je suis un mouchi. Je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais à Paris, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. Je voudrais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, évalué à 4 500 000 dollars américains. Elle a un autre immeuble sur l'avenue Giré, de 6 étages, et elle vient de vendre, d'ailleurs,
on n'a pas encore tout payé, 1,7 million lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors quand on entre dans des considérations de la vie privée des gens, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Mpiana Daïda, Mpiana Soraya, Mpiana Junior et Kinoani Diams. C'est vérifiable. Ah, je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat a dit que j'ai financé la campagne de mon parti, Obolandi est allé un peu historique, Dieudonné Kalouba Dibwe. Mais les vrais problèmes aussi, Bande Konangaï, ezali na niveau ya OEPSBISO passe, ezali na niveau dossier ya Matata Mponyo. Alors, est-ce que c'est vrai? Tu sais, vous voyez très bien que moi, ce qui n'azali pas sûr na information, na tchaka toujours entre parenthèses. Mais comme balobaka toujours que même rumeur ezalaka aussi source il y a information des fois il faut toujours kozwango entre na lobichango entre parenthèses mais ils ont circulé na kotika la marge te je suis obligé boyoka Oyo ba source mon source lobby. Vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle la confrontation des sources. Vous avez ma gamme tout en gué la chic. Aux sources, oyo, aux yeux, aux confronter ba source. C'est ça même qui fait fiabilité à média. Au moins, il y a des messages, ceux qui ont basé, battu entre parenthèses. L'État y a qu'on vérifier. Véracité na yango si et seulement si ezali bongo. Alors balobi Dieudonné Kalouba Dibwe, le cabinet de Dieudonné Kalouba Dibwe qualifie d'irrégulière le tirage au sort qui a eu lieu ce mardi 10 mai à la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'une mascarade, une irrégularité, une fraude suicidaire à l'état de droit, déclare sans abage son cabinet. À l'issue de ce tirage au sort, le président de la Cour constitutionnelle ainsi que le juge Évariste Principe Funga Molima ont été remplacés. D'après certaines sources, les chefs de l'État aurait souhaité ce remplacement. Lui qui a donné des instructions pour que ce tirage au sort soit convoqué. Félix Tshisekedi n'aurait plus confiance à Dieudonné Kalouba après que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour instruire les dossiers de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo. En République démocratique du Congo, c'est la Cour constitutionnelle qui tranche tous les contentieux électoraux, qui confirme l'élection du nouveau président de la République. Selon certains observateurs, Félix Tshisekedi ambitionne de briquer un second mandat pour solliciter le suffrage des Congolais. Connu pour sa brillante intervention dans les procès Dieu des 100 jours, le professeur Dieudonné Kalouba a été nommé président de la Cour constitutionnelle en avril 2021. Voilà. Je crois que Wana Bozali vraiment Kolanda très bien. Mais maintenant, Moussou Sezobima,
Nalobi, Botiango entre parenthèses, n'aimait-il que, hein, dans Zopé Sabino, il faudra confronter ma source. Dossier Matata. Kalouba aurait réussi. Ah! Attends, le baga vraiment. Hein? 3 millions de dollars. Est-ce que Matata est un bon one? Azal sous un ango. Il peut pas s'arrêter un bon one. 3 millions de dollars. Bon, Matata, quoi, ça la peine? On va en éviter. On va en éviter. On va en éviter. Mais le aurait. Hein? Moi, je prends 3 millions de dollars. Hein? Batangimi na kombo avocat na ye et de ce fait à Sombaka Villa Moko bango baketi na Belgique bon le bio mbongo na zui à Sombi bon pote de vérifier bino bosa na Belgique bote na bale bio Sombi ndako na Waterloo en Belgique. Apprenant cette information, les procureurs près de la Cour constitutionnelle alertent le président de la République sur le manœuvre du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République demande une enquête en interne sur cette question. Il trouve avec preuve que le président de la Cour constitutionnelle avait reçu l'argent. Il demande au procureur de prendre ses responsabilités quant au dossier Matata. Pam, 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 pam. En tout cas, Bate Konangai, Batumingi Bakolo. Oh non, ndenge dossier wa nelekaki na nini ya Matata chop chop bimaki combien oh boba congolais 3 millions oh ba sumbinda na Waterloo na Belgique et après président Lobaki oba ba fongola enquête moko à l'interne ba yeko kutakeza bongo et tout ça na lobi ngai na musala oyo na sali na liko tiango entre parenthèses parce qu'il y a pas des éléments parce qu'attendez batangi procureur ao hein procureur près la cour constitutionnelle en tout cas il n'y a aucun élément à part o ba komia o etali sikeza bongo bo ba monake ndaki na Waterloo be bango ba monake na Waterloo wan. Mais en tout cas, na plan ya makamundenge salami, moi je peux pas confirmer cette information, mais ça circule. Ça circule. Na ngina salem ka bez officialité quand l'info n'est pas sûre, en tout cas pour na respect pour na binom, nga bochi toujours entre parenthèses, mais yango nde bazo ko faire circuler, ba le confiance ça les sous-souter. Donc ndenge dossier ya Matata leka kiwana esengela ki pays a la bongo exception na ba soleva kiwana eza ya kitoko te yango sur roche yango esali ke boye 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 bon n'ayant pas tous ces éléments à ma possession je peux pas aller au-delà de ce qui a été prévu au contraire moi je pense que nous devons mettre dans la main nous tenir pour défendre la mère patrie ou les alliés République démocratique du Congo. Alors, nous avons remplacé na Dieu donné Kamuleta. Donc, c'est-à-dire, Azali président cour continuelle, na manière moko provisoire. Comme na Azali, Dieu donné Kamuleta Badjibanga. Donc, c'est lui, d'une manière provisoire, Azate Kakomi à Libela, parce que Baoba Longwe, et Sengeli Banome Bamoussous, pour te bako kanef, nda la fe bango bako sele suko élection, yakopona président. Je crois, vous allez comprendre le dossier Wana très bien. Donc, Bakosala élection te ndenge batikali wana il faut d'abord que ba remplacer ba mususu oyo batikali après nde soki ba remplacer bango ba oyo bakokota entre bango neuf nde bakosala élection pour ne suko kozwa président cour constitutionnel ya sika Dieu donné
kamule tabadi banga o balobi ye aye kaka juste kwasime intérim mazate ke non aza permanent de permanent na likambo wana ndenge bato bazali kokanisa yango ote ezali le contraire. Voilà au moins ce que vous pouvez kokanga na dossier ngwana. Mais cabinet ya Kaluba baza d'accord te balobi wana za soni même na ndenge makambo eleki ba musu bazo tanga makambo ya mbongo bango soki baza na prep ça y est d'affirmer. Mais moi en tout cas je crois pas au fond parce que biloko wana omoni ekomaka makambo milayi et le président de la République ou azali gara ya bon fonctionnement des institutions ye moko akotala koma ko arbitre likambo wana tirage sur Salem. Par exemple, juge Fougawane, il y a sali neva naye, aleki si même. C'était le tout puissant na moma ya Kabila. Ba vie wana musona bazaki na bango kaka mais le tout puissant qui faisait tout, juge wana. Il y a sali neva, mais Kaluba ya en tout cas c'est le président ya cour o ya continue na histoire, sali mwata muke. Alors, Babilo, quand on s'occupe au côté, pour que la tension te prépare la morale, à tout moment, il y a une instance hautement stratégique. So, mi côté, il y a un côté. Alors, préparez. Ouais. Mais ça, wana na ku wana te ko ezali makambo mususu bandeko unangai. Alors je vais kaka nde na yebisa kibino ke biso ko pesa bino info ezali vraiment charge na biso to bunda ka mwa mingi. Je vais aussi vous laisser suivre Mozito na Fayulu elongo siko na makambo ya ba principe siko bahale bafongoli bato na bango oyo azali vraiment na nerf solidité étalié. Donc tomoni niko mayengele abima tango abima asala sorti na ye nakati ya sorti na ye ndenge asala ki asamprena ki na mona muzitu. Pona niko mayenge la lobi, Mozito aza candidat le plus médiocre. Oui, que Mozito aloba ki na yeye pas aza candidat président de la République. Alors, nangambo wana bazo mona ke ya koza la candidat. Iye fois a la sima ya Martin Fayulu. Alors, maintenant, alongo koza la sima ya Martin. Akonuko tout ape tolo, pour akoma candidat président de la République, peut comme il y a sérieux, comme peut présenter projet naie, nouvelle offre politique, boyena boye, bato afolo bamoni ngo ezamabe. Et Niko Mayengela yeko loba ke le candidat le plus médiocre na bango nyonso ezali Mozito. Alors, Mozito peut a traîner te ayati ndipe bato naie, ale mbolo djwa aya ko répondre ni koma yengeli wan tisegeli kanga mutema nayo benda mwa kokana yo tala sikonde ba koswana yo ka réponse o la muka contre la muka na yebisa kibino likambo yo kala na yebisa kibino na betu boye na moni makambo na simu onje machete maintenant bolanda oyo alembolojwa le monsieur Fayulu et Niko Mayengele. On va revenir juste après pour continuer. Merci. Président Abatché Moïse Katumbi, Obango ba kombata kawana. Katumbi, Matata, Fayulu, Kabila, Batouni, qui est le candidat le plus médiocre. Sans mâcher les mots, il a dit c'est Adolphe Mozito. Pendant que Mozito est coordonnateur en exercice de la Mouka dont il fait partie. Tu peux retenir ni? On retenir qu'il a un problème. Il y a une retenue.
qui a un problème? C'est lui, Nico. Oh! Il a un problème. Le problème, Naye, Ezali, que apparemment, il a un hasard à l'ingarakoulou tout mouzi tout. Ok. Parce que, vous remarquez, Yomo, d'ailleurs, le bien, c'est une aberration. Lui, il prétend être membre de la Mouka. Mm-hmm. Le coordonnateur de la Mouka est médiocre. Ce qui veut dire que la Mouka est considérée médiocre. Okay. Mais la logique, mon. Danger. Yango, Anna. Yo, Zali, membre de l'Ingomba Oyo. Ils ont dirigé la médiocre. Au cas où tu n'as pas médiocre. Ça, ce n'est pas un discours politique. Et puis, surtout, qui a tâte de pousser le raisonnement à Bissot plus loin. Comment est-ce possible, M. Félix, c'est qu'il y a la plus excellente que Mouzit. Comment? Pour vous expliquer à Ondéni. Et bien, schématiquement, pour ça, Ondéni. Félix, c'est qu'il y a la plus habile, il y a la plus. Plus cohérent. Plus, à la plus compétent. Plus compétent. À la plus habile. Que habilité, Mouzit. Ouais. Plus que Mouzit. Ce qui veut dire que la Mouka n'a rien. Parce que Bobouni, ça a fait, c'est qu'il y a. Si les médiocres se retrouvent dans la Mouka, pourquoi combattez-vous Félix Tshisekedi? A quoi est-ce que Tshisekedi? Niko, à quoi est-ce que Tshisekedi? Mais tout le monde est parce que le coordonnateur n'a pas été plus médiocre que Félix Tshisekedi. A quoi est-ce que Tshisekedi? Ça, c'est l'amateurisme. Ouais, ça manque à maturité. Mais apparemment, il a commencé ses combats depuis un certain temps. Non, combat, on en a eu. Bisous tout le combat, on a eu. Bisous tout le combat, on a eu. Que il y a des problèmes au niveau de la Mouka. Mais je ne peux pas passer. Nadakou tout le monde à la Mouka. Je ne peux pas passer ici, dire que Félix Tshisekedi est plus habile, plus compétent que Mouzitu, alors que Mouzitu est coordonnateur. Donc, la Mouka est très rafaillue. Le problème de Nico, c'est que Mouzitu ne pouvait pas se déclarer candidat. Oh! On devait porter Martin Fayoulou. Candidat. Non, ça c'est la dictature. Ouais, la dictature, il y a bataillé des pèses. Il doit enlever ça dans sa tête. Je lui dis ici à la télé et je lui dirai aussi en face. Fayoulou a comment candidat. Après concertation de 7 candidats. Fayoulou a comment candidat. Après concertation de 7 candidats. Sigo, là, on échange. Pourquoi vous voyez comme ça, Fayoulou, homme, candidat d'État? En quoi êtes-vous différent de ce que vous reprochez? Chaque Congolais a le droit ou la latitude de développer des ambitions, Yaroko, ma candidat président. C'est dans l'organisation, on a vu, non, de Bogota, on a vu, ok, tu as postulé, mais au regard, il y a telle donnée, retirer candidature. Ou bien, il n'y a qu'au postulé et sous-souté. Tu ne peux pas passer à la télé le fait que lui, il s'est déclaré candidat, au loba qu'il est médiocre. Au même moment, c'est lui qui gère aujourd'hui, Martin Fayoulou. Bon, moi, je suis désolé de le dire, nos frères doivent faire très attention. Les émotions que l'on amène de nos maisons jusqu'en politique, et là qu'on ternit tout le combat. Quel est ce Congolais conscient qui peut prendre la Mouka au sérieux lorsque son coordonnateur est médiocre? Et plutôt dans la place serrée, Mouzito est médiocre. La gestion. Niko Ebi, la personne de Mouzitu, est-ce que Niko Ebi Mouzitu gestionnaire? Moi, je peux vous balancer les indicateurs. D'ailleurs, vous citez Kabila, c'est excellent. Kabila est excellent quand on a un candidat président de la République. Bongo Moïse Katumbi, il a géré. Parce que Moïse Katumbi n'a géré que pendant Mouzitu Azaga premier ministre. Moïse par l'équipe, Mouzitu na gouvernance. Mouzitu a beaucoup de qualités que les autres n'ont pas. Mouzitu a fait ses preuves. Alaka, inspecteur de la finance, a commis ministre à budget, a commis premier ministre. Mouzitu, Matata, Moukoko, Bangonde va permettre de toi atteindre le point d'achèvement. S'il y a eu effacement de la dette, c'est grâce à ces trois personnalités-là. Les bilans à Kabila sont presque tout. Il y a stabilité du cadre macroéconomique. Et Fanny a trois personnalités. Voilà. Mouzitu, Matata et Daniel Moukoko. Moukoko, ce sont les trois personnalités qui ont stabilisé l'économie. Il y a eu les rentrés bien à Mouzitu, mon Dieu, qu'on est. Pendant ce temps-là, Matata a annoncé officiellement son parti. On attendait les trois personnes. Voilà. Ce sont les trois personnes
qui ont démontré, qui ont imposé une nouvelle gouvernance, bah, comment va référentiel la gouvernance au Congo. Impossible. Dans les oubliettes. Non, il n'est pas dans les oubliettes. Il est là, Bino. Bisso va scientifique, tu as mis trois personnes. Wana. Un bon président de la République va travailler avec ces trois personnes. Il est bien médiocre. Je crois que Bolandi, Bino Mokonde, Nineleki, restez branché, contacté. Non, en privé. Si le Sénat ne revenait pas, on continue encore. Bye. À la prochaine. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. Si c'est la première fois que vous êtes à la vidéo, abonnez-vous.